Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont débloquées? Alors, un deuxième ravageur des ombres a été attaqué, d'accord. D'autres ravageurs roulent encore. Ok, donc il y en a encore d'autres qui sont quelque part. Toi, je n'ai pas d'autres dépôts de minerais. Ça fait 30 ans que je suis pas revenu ici et j'ai tout mis à fond. Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas si on aura un meilleur équipement. Arrêtez de me demander. Ah, oula. Bonjour. J'aurais dû dire que vous avez renforcé l'épée. Ah, oui. J'arrive de la route Calum et ses hommes avaient des golems de lame à leur trousse menés par je ne sais pas quoi. Les golems de lame? Qui dirige? Je n'ai rien vu de tel. C'est grand comme un ogre et noir comme la nuit. Un ravageur des ombres. Ah. Où est Calum? Il est plus loin sur la route, lui et ses gars. Il retient un de ses autres. C'était juste. D'accord. Vous pouvez faire pour aider Calum et stopper ce ravageur des ombres? Ah bah j'y vais immédiatement. Je viens avec vous, vous avez besoin de moi pour réciter le nom véritable, bien sûr. Alors, on va prendre, du coup, j'ai très très peur de ce qui va arriver. Pareil, Kara et... bah attendez, je n'ai plus besoin de Jveir. Jveige. Je vais prendre Sand, tiens, ouais. Let's go, à direct. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps, très bien. Alors, on n'a pas le temps. I've dispatched your minions, fiend. You're alone. Face me. Vous mourrez. Comme tous ceux de grand roche. Mais je ne serai pas soucié de votre sang. What foul magic is this? Captain, you must know that Highcliff has fallen. Tell Naval. We can't... Asher! I fail! Vous, ma proie, c'était les couloirs qui ont fui la conquête de Grange. Mais vous êtes un cadeau inespéré. Le roi des ombres me saura gré de lui rapporter votre dépouille sans vous. J'ai appris la façon dont vous avez disposé du plus faible de notre cavale. Il avait trop confiance en lui. Je serai un adversaire plus coriace. Occupez-le pendant que je récite son nom. Il me faut du temps. Alors tenez-le à distance jusqu'à ce que j'en ai terminé. Bien sûr, les golems de lame sont des saletés d'élémentaires. Sachez que je n'aurai aucun scrupule à retricher. Alors, toi, hop, activé sur lui. Ça a marché? Ça a marché? Je... Il est mort? Genre il est mort ou... Oui, il est mort nul. Attends, surtout que là les... Ah non mais attends. Attends.
pas de dégâts, un peu de dégâts devant toi. Devant toi même. Bon, bah au moins ça a marché, mais... Souci. Attends, on va annuler ça. Et là. Voilà. Ah bah oui, mais non. Ok, donc. Ça n'a pas du tout marché. Alors ça bouge. Alors je retire ce que j'ai dit, ça. Ça peut marcher. Très bien. Je retire ce que j'ai dit, ça peut marcher. Du coup, voilà ce qui. On va la refaire pareil, mais avec un tout petit changement. Maintenant on va jouer comme ça. Que ça plaise ou non. C'est moi où il se soigne, le salaud. C'est un homme, il se soigne, très bien. Allez. Et c'est parti. Ça a marché? J'espère que ça a marché. Ah, ça a marché. Il se régène plus. Ok. Allez, bon. J'arrive trop tard pour vous aider. Et pour Caleb aussi. Cette guerre nous coûte tellement. Et elle n'est pas finie. Vous avez raison, capitaine. Il est difficile de perdre un tel ami. Mais vos paroles allègent ce fardeau. Mais que faisait Caleb ici? Il était chargé de défendre Grand Roche. Un ravageur tombe et Grand Roche. Quelles que soient nos victoires, l'influence du roi des ombres s'étend. Je dois en informer le seigneur Nasher. Il faut préparer l'armée à marcher sur Grand Roche. Mais avant d'engager nos troupes,
Il faut préparer le fort de la croisée. Faites les travaux nécessaires à votre fort. Puis revenez à moi quand tout sera prêt pour que l'armée marche sur Grand Roche. Le ravageur des ombres nous a fait un cadeau. Lui mort, nous avons le tome qu'il détenait. Le tome d'Ilt-Kazar. Puis-je regarder ? Fichtre, je ne pensais pas le voir un jour. C'est une trouvaille incroyable. Il faut la porter à Aldanon. Il m'aidera, nous aidera à dévoiler ses secrets. Ah, tome d'Ilt-Kazar. Ça y est, j'ai enfin ce truc de mort. On m'a pris. Alors, je vais surtout devoir revendre tout mon merdier. Même si ça ne sert plus à rien vu qu'on arrive dans la fin du jeu, je le sais bien. Mais quand même. Alors, Ravageur des Ombres, qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Tom, bah... Ah bah, je l'ai en deux fois. Ok. Je l'ai en deux fois, très bien. Alors déjà, repos. Casavir. Level up. Bien sûr. Pourquoi t'as plus rien dans tes mains, toi ? Ah oui, en fait, je t'ai pas pris depuis très longtemps, toi. Ah oui, quand même. Ok, mais t'as rien dans tes mains, on est d'accord. Si, t'as deux dagues nulles. Ok, retour au fort de la croisée. Je vais donc aussi en profiter pour enlever ceci. Voilà. Ah merde, il m'a laissé le slash. Voilà. Et du coup, là-haut. Route du fort, ouais. Vers la cour du fort, ouais, c'est là. J'ai pas un marchand. Mais j'ai plus rien à acheter, en fait, moi, dans mon fort. Littéralement, j'ai plus rien, j'ai tout fait, j'ai tout mis. Je ne peux point faire de 100% sentinelle, je vais y aller et neval. Alors... Jacobi, on est d'accord que tu peux plus rien faire, tu peux plus rien forger, toi. Ah, ça c'est bien. Jacobi, mon petit Jacobi, c'est parfait. Je vais te demander de me... Bon, bah, je vais faire un petit peu de marchandage et puis je reviens. J'ai refait tout mon petit inventaire et maintenant on va aller voir Aldanon. Mais j'ai plus rien à construire surtout, donc moi je pense surtout que ça va être très compliqué au niveau de la bagarre. Ça va être une très très belle expérience. Alors, Aldanon, il est là-bas, tout droit. Aldanon, ici. Alors... Ça c'est vous, alors ça. Ah bah j'ai le tome. Oh. J'ai le tome. Non. D'accord, j'ai le tome pourtant. Qu'est-ce que c'est que cette... Est-ce que je suis en train de... Peut-être qu'il faut que je le lise, non? Examiner. Bah. Oh. Ah, peut-être qu'il faut que je le donne à Sand. Bah non, mais Sand il est avec moi. Bah je sais pas. Aldanon, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai trouvé cette fois. J'ai trouvé. Alors, il est où? Putain. Toi. Le fort est prêt. Très bien. Je ne vais pas avec vous à Grand Roche. Ok. Si on pouvait gagner... Très bien. Ok. Seigneur, c'est comme si tous les morts du marais étaient en marche. Eh bien, nous ferons une route de leurs cadavres. L'ennemi approche.
Ces hommes sont morts dans le passé, et ils mourront à nouveau. Nous sommes plus forts qu'eux. Ils ignorent tout du courage, de l'honneur. Ils n'ont aucun être cher à défendre. C'est pourquoi ils tomberont sous les coups de nos épées, de nos lances, car les dieux sont avec nous. Frères, sœurs, tous, côte à côte, face à la mort. Sachez que tout Padivert est derrière vous. Rappelons-leur ce qu'est la mort, et renvoyons-les dans les enfers. Au combat, les neuf, avec moi. Seigneur Nashair, combattons jusqu'à lui, et essayons de le sauver. Les neuf, avec moi, hommes de Padivert. Le seigneur Nashair est blessé. Tous au fort de la croisée. Nous y livrerons notre dernier combat. Alors, maintenant que ce trigger a été activé, je suis redescendu, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que par hasard, Amanjiro, il aurait décidé... Oui, mais en fait, là, non, mais alors, oui, tout est terminé, tout est terminé. Tout est terminé. Oui, mais en fait, non, j'ai déjà tout fait, donc... Non, Neval, casse-toi. J'aimerais savoir si... Si Amanjiro, là... Enfin, Aldanon, plutôt. Il a décidé de se bouger, maintenant. Ou alors, il y a encore un trigger à activer, et... Bah, ça m'énerverait pas mal. Ah, Kara... Kara, je te vois. Ah non. Non, j'ai cru, pardon. Allez, Aldanon. Les bouquins Aldanon. Je vais te péter les gueules, Aldanon. C'est toujours pas ça. Il me manque un trigger pour donner les bouquins Aldanon. Je ne comprends pas ce que c'est. Alors que j'ai le bouquin. Bon, il est où, Neville? Merci, hein, Neval, pardon. Ah, des renforts de profonde et de l'Alliance seigneuriale sont en route. Ah. Faut-il se voir parler à tous vos gens, vous voyez ce qui peut être fait, c'est tout. D'accord. Ok. Donc je vais parler à tout le monde. Ok. J'espère que c'est ça qu'il fallait faire. Parce que sinon après, je n'ai aucune idée. Les gens d'ici t'appellent capitaine. Et ces murs t'appartiennent. Tu en as fait du chemin. Bon, Jacobi. Alors... Bon, nique-toi. Alors si, je sais que la voix de Faigun, comment le nom du doubleur, et je crois qu'il s'agit de Vincent Ropion. J'ai mis très très longtemps avant de le trouver quand même. Genre, m'a fallu un long moment. Allez, s'il te plaît, Aldanon, dis-moi que c'est bon. J'ai activé tous les... Oui, Aldanon, il a bougé. Ah, vous voilà. Excusez-moi, mais je me demandais si vous aviez vu Amanjiro. J'aurais quelques questions à lui poser au sujet du Roi des Ombres. Mais il est difficile à trouver. Vous cherchez Jiro? Le tatoué a quitté le fort il y a un moment. Mais t'aurais de toute façon fini par lui dire de décamper, capitaine. Et tu as laissé partir? C'est pas à moi de dire qui part et qui reste, capitaine. Et je me rappelle pas t'avoir entendu me donner l'ordre de le surveiller. Aucun de nous n'en serait capable, à part toi. Je pensais qu'il s'occupait d'un genre de livraison. Le genre de mission que tu apprécies tant. Il est parti? Et alors? Je peux le retrouver? Personnellement, je pense qu'on devrait soit le laisser filer, soit le tuer. Mais bon, ce que j'en dis... Alors, allons chercher Amanjiro. Putain, Aldanon, je vais toujours pas avoir. Je vais toujours pas te donner tes bouquins. Je te déteste.
Bah Manjiro est dans mon équipe, donc déjà le jeu il est cassé, mais on va dire qu'il est pas dans mon équipe pour le moment. Quoique non en fait, au bout d'un moment c'est bon. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Et bah Nishka, tiens. Ça fait longtemps Nishka. Ah bah il est là. Suivez-moi tous! On vient tamiser les cendres à Manjiro. Corroboros! J'ai retenu mon bras pour que vous puissiez voir cette ruine. C'est une douleur que je ne pourrais pas vous infliger, même en bâton. C'est ici qu'elle a joué dans sa jeunesse. C'est ici qu'elle a dormi. Et c'est dans votre sanctuaire. Repose désormais en paix. Si vous êtes ici pour vous venger, c'est de la folie. Pensez que je ne vous punirai pas pour m'avoir emprisonné. Ça, c'est de la pure folie. Vous étiez peut-être puissant dans votre terrier lâche, mais pas ici. Vous auriez dû jouir de votre liberté quand vous en aviez l'occasion. Vous n'avez aucune chance. Votre art est suffisant pour me faire du tort, c'est vrai, mais j'ai appris de mes erreurs passées, alors que vous commettez toujours les mêmes. Vous... Que faites-vous ici? Cette personne était présente à sa mort, elle aussi. Ah, tous les comptes seront réglés d'un coup. Merci pour ces présents, Amon. Vous aurez de la compagnie quand vous brûlerez en enfer. Stop, c'est un combat de boss. Bien sûr, il fallait s'en douter, sinon c'était pas drôle. Eh, alors, le combat de boss. Voyons voir. Alors, il y a Diable Cornu et Corroboros. Alors... Diable Cornu. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Par Diable la barbe de tir. Oui, les feuilles. Corroboros. Bien sûr, je peux faire ça. Corroboros. Amanjiro, il se démerde. Une nouvelle cible. Enfin, et un peu toi, d'action. Tu vas en... Le soleil nous embarque. Non. Sur, voilà. Hop, et on laisse faire. Et on prie, on verra ce que ça donne. Ok, et bah elle va mourir en fait, Kira. Ah là là, le mec il triche, ouais, mais le mec il a le droit, et au bout d'un moment, bon. Il faut dire ce qu'il y a, j'ai marqué. Ouais, comme il faut. Hop. Alors. Ah bah en plus. Tac. Hop, voilà. Voilà. Au moins elle. Et bah je crois que lui il est mort en fait. Ouais. Tac. C'est Kara. Kara est en stase. Elle est aveuglée surtout. Ah. Voilà. Voilà, j'ai aussi ça. On est d'accord que c'est bien celui-là. Oui, c'est bien celui-là. Hop, hop, et hop. Voilà, plein de sorts.
Voilà, et un, ensuite toi. Non, des sorts. Ah mais il en réinvoque plein, ok. Donc on va tout mettre sur lui. On va mettre que les sorts de froid sur lui pour que ça bouge un peu. Voilà, c'est bien. Allez, encore un petit coup. Et presque. Bon bah là, mur de feu, mais j'y peux rien après. Ah mais c'est... Mais il a repris de la vie là ou je rêve? Faut mourir, monsieur. Oh là là. Nul. Ah voilà, presque. Allez, encore un petit. Voilà. Ensuite toi. Est-ce qu'elle va viser le bon au moins? Elle va pas du tout viser le bon. Pas mal. Encore un. Voilà. Et puis toi aussi. Il est très bien ce sort. Je ne me rappelle pas vous avoir demandé de venir avec moi. Je ne vous demanderai pas comment vous avez su que j'étais ici. Vous êtes toujours là où ça se passe. C'est pour ça que je suis venu. Et il est intact, comme je l'espérais. Si Chandra avait eu ça, elle serait peut-être en vie. Mais le destin en a voulu autrement. C'est tout ce qui reste ici. Partons. Ok. Impossible de se reposer ici, c'est nul. Bon, alors, pour jusqu'à la fin de ce jeu, pour des raisons évidentes, je vais rester en God Mode. Vous m'en voulez pas, mais bon. Si la fin du jeu, elle est aussi dure que ça, vous allez devoir m'insulter et dire que je suis nul. Et c'est vrai. Mais pour le moment, j'ai pas envie de tout recommencer. J'ai pas envie de m'ennuyer. Ah, ça y est, c'est en train de se réduire. Allez. Retour au fort de la croisée. On va aller donner les bouquins à Monjiro, pas comme dans la soluce de mort que j'utilise. Parce que la soluce est nulle. La soluce est vraiment nulle. Allez, tu me ramènes à la cour, s'il te plaît. On va voir à Monjiro, on lui donne ses saletés de bouquins. Alors, oui, il y a des trucs partout, c'est normal. C'est normal. C'est que les trucs qui apparaissent, c'est que des marqueurs. C'est pas grave. Allez, à Monjiro, tes bouquins, s'il te plaît.
C'est une blague. Non mais... C'est une blague. Ils sont là. Ok. C'est bon. Bagarre. C'est bagarre. Du coup, le bouquin il sert à rien en fait. Ou alors il sert bien plus tard. C'est étrange.